Ok, c'est parti, bonjour à tous YouTube. Aujourd'hui, on joue Skarner en top lane avec les runes Comète Arcanique, Rebond de Mana, Transcendance, Brûlure, Surcroissance et Second Souffle. On va jouer le petit Skarner AP. Voilà, Max Z. Parce que du coup, ça permet de spammer un P qui fait 400 dégâts on repeat. Donc c'est marrant. À 400 dégâts quand vous avez le build. Donc. En early, c'est genre 150. Mais bon, 150 on CD, c'est quand même broken. Donc stylé, on est contre une Riven. Voilà. Donc, ça m'arrange parce que voilà, pas de régène dans son kit. Elle a des dash par contre, donc ça va être relou. Boop. Allez hop, voilà déjà 2 Z, elle a pris 140 HP. Quelque chose me dit que je vais peut-être aller devoir aider mon... Comment dire? Mon Shaco. Alors toi, brouillard Riven qui arrive. Je sais pas si on gagne en 2v1. Après, elle est niveau 2, je suis niveau 3. Hein. Ça peut faire toute la diff en vrai. Oh bah. Ah bah, je l'ai reignite. Ok, nice, le kill. Boum. Boum. Du coup, j'ai un red buff, elle est niveau 2. Eh. Clean. Un petit dernier. Ah, dommage. Ok, en vrai, je peux la drive là, attendez. Ok, nice. Ça recall pas, mais après là, elle va level up. Bon, elle est niveau 3. On peut la poke un peu. Ok, nice. On peut la repoke. Si j'arrive à lui remettre un Q en vrai, ça se dive large. Boum. Oui, c'est bon, j'allais dire que t'as un meurt pas de mon passif et du red buff. Mais si, c'est bon. Allez, bonjour Yvonne. Allez, petit Z. Oh la vache, le cri bloc. Boum. Ah, déjà 100 dégâts en vrai. Hop, on la ramène. Comme ça, le Shaco, il peut faire ce qu'il peut. Enfin, il peut faire ce qu'il veut, pardon. Il fait ce qu'il peut aussi après. Et Shaco, allez, petite dernière. Ah dommage, j'ai un ignite bientôt. Vas-y. Hein. Bon, j'ai un ignite dans 7 secondes. Mais il a récupéré le sien. Ok, bon dommage, il est mort. Ok, Kane. Je peux peut-être le battre en 1v1, le Kane, attendez. Ok. Attendez. Est-ce qu'Arnor est broken? C'est big. D'ailleurs, en parlant de ça, Skarner va être nerf au prochain patch, donc alors sur cette vidéo, les gars, n'hésitez pas à faire le build très vite, parce que le prochain patch, il arrive bientôt. Donc surtout, n'hésitez pas à jouer Skarner avant qu'il soit nerf. Bon, le Wukong a décidé de s'entrôler une petite, mais vous en faites pas, les gars. On va gagner même si le Wukong s'entrôle une petite. Je suis en 4-0 avec Skarner AP, les gars, c'est winnable. Donc Shaco fait ses trucs. Ah, du coup, les deux supports sont en mid lane. Oh là là, on découvre la nouvelle version de League of Legends, les gars. La bot lane a été déplacée. Allez, même, laisse-moi te mettre un petit Z, là. Oh, mais la range sur ce truc, sans déconner. Allez, on prend un petit coup de tour. Ah, dommage. Boum. Ah, mais comment c'est OP? Je ne fais rien, je ne fais rien, je win. Carrément, je ne fais rien. Outpoke. Nice. Elle a activé son R carrément. Ah non, c'était son Z. Pardon. Allez, on en a un autre. On va peut-être recall là. Ouais, si recall, je me fie sur les plaques. Ça va me mettre très très bien. Voilà. Juste pour lui faire un peu peur. Ah merde, j'aurais dû dépêcher la wave avant. My bad. Oupsi. En mid, c'est vraiment devenu un 2v2. Ça n'a aucun sens. Le Broom est bot. Enfin, le Broom est mid. Le Wukong est mid. Personne ne dit rien. Fait comme si c'était normal. League of Legends. Bienvenue en 2024. Allez, vas-y, on voit la plaque. Avec cette plaque, en plus, j'ai direct le Yandri. Eh, Shaco, tu veux pas. Tu veux pas, on la tue, bro. Ah merde. Shaco. 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 C'est bon, j'ai dodge. Merci d'être venu, Shaco. Un peu tard, mais merci quand même. Ah, dommage. T'es pas loin. C'est quoi, bro? Je te fais croquer la plaque, ça fait plaisir. Tu vois, ça valait le coup de venir, 60 gold. Eh, hey, le Wukong a eu un kill en mid! Le Wukong support en full into a pris son kill! Bah, les gars, maintenant vous savez, hein. Apparemment, un duo Vlad Wukong, c'est plus fort qu'un duo Fizz Brom. Hein. Ok, touché. Bah, voilà, on a mis 3 Z, elle est un tiers de sa vie. Ok, mid life. Bah, allez, encore 2-3 comme ça, et encore 2 comme ça, je pense que je la dive avec mon Ignite et mon R. Le seul problème que je vais avoir, c'est le manque de mana. J'ai peur de tomber à court de mana avant que ça finisse. En vrai, si y a ça, je vais essayer de la R. Est-ce que j'ai la range, là? Allez, hop. Tu t'es fait avoir. Boum, 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 boum. Prends-toi ça, là. Allez, dis-moi que tu meurs. Let's go! Le bait est passé! Ah, mais le Wukong, je sais pas ce qu'il fait, mais il est là, hein. Ok, je vois que la Riven est en train de prendre des plaques. Je vais tenter de passer par le mur là. On va la plaquer, si on peut. Si je prends un angle comme ça, je devrais pas pouvoir fuir. Yo, Riven. Hop. Allez, fuis-moi, mon gars. On va la kite un peu quand même. On reste un mage. Bref, là, la tronche du mage, mais quand même. Ah! Vladimir. Ah ouais, les gars, mais là, vous avez un plan chelou. Ah ouais, Wukong, à ce point-là, c'est chaud. Hein. Hop, allez, grab. Hop, allez, E. Z, et elle est morte. Ok, in. Boum. Je te Z. Ah, j'ai plus de mana. Merde. Ça commence à chase ma Caitlyn, je vais essayer de les rejoindre. Ah putain, la Riven est là.
Je passe l'eau. J'espère que le Wukong s'en sort. Je suis pas sûr de ça, mais bon. Boum. Reboum. Hop. Tu viens par là, toi. Let's go. Et de 1. Est-ce qu'on peut tuer le deuxième? On est bientôt en E. Ah, dommage. Dommage. Bon, moi j'ai réussi à aller 1v2, c'est déjà pas mal. Bon, bah go essayer de prendre la tour top. Elle est presque finie, là. Je devrais pouvoir y arriver. Ok, la tour top, c'est bon. Nickel. Allez, j'arrive, bot. Normalement, le Shaco peut faire le clean-up facile. Hein. Il ne devrait pas y avoir de problème. Ah, dommage. Bah, j'arrive, les gars. Hop. Toi, tu viens là. Boum. R. Allez, vas-y, dodge ça. Ah, il a eu le temps de... Ok, un mort. Merde, alors il faut mourir, les gars. Voilà, merci. Let's go. Double assist plus kill. Ah, ils survivent tous à un HP, j'étais en train de pleurer intérieurement, là, sans déconner. Ouais, s'il y a moyen de choper la tourbot, ce serait très très big. Hein. Ça va être short de fou. Ouais, non, j'aurais pas le temps. Hein. Ah, c'est 700 gold, là, si peu d'HP. Le problème, c'est que j'ai l'interrupt. Non, vous savez quoi? Je suis scarner, je peux juste appuyer sur E une fois que j'ai la tour. Let's go. On se casse. 700 gold bien obtenu. Je vais dire que je suis en route. Je pense pas que je puisse défendre la T1 par contre, malheureusement. Faudrait juste que le Shaco vienne aider. Si Shaco vient aider, je pense qu'il tue le Fizz. Easy. Ok, je sais pas lequel des deux je vais choper, mais ça va choper. Non, malheureusement, je suis peut-être mort là. Bah, si tu le Fizz. Yep. Ah, dommage. Ah, la Kaline s'est fait choper direct, j'ai pas eu le temps d'aller aider. J'étais un peu trop loin. Ok, je vois le Kane là. Je vais dire que j'arrive. Le Kane est un peu entre tous les membres de notre équipe. Ok. Je suis là, mais en même temps, est-ce que vraiment... Hop. Je crois que ça permettra de le tuer, ça. Ah, je suis mort. Ah, on n'a pas les dégâts. On n'a pas les dégâts, dommage. Ils sont en H. Ce serait bien qu'on ait, qu'on arrive à teamfight, mais bon, le Wukong et support et mon Vlad, ils sont en perma speed push, donc c'est impossible de faire un teamfight. Allez, tu viens là, toi. Hop. Normalement, il est mort, le Fizz, mais je suis mort avec. Yep, rip. Ah, ça va être trop dur, hein. Ça va être trop dur, cette game. Bon, moi, on a eu le Fizz. Bon, bah, mon Vlad a revendu tous ses items, écoute. Et il est AFK à la base. Ah, ouais, le Vlad IE. Oh, la game va être complexe, hein. On va pas se mentir, là. Est-ce que vous pensez que je peux 1v1 Jinx? Je suis même pas sûr que je puisse 1v1 Jinx, en vrai. Parce que j'ai pas encore un Zonia. Faudrait que je fasse un Zonia, peut-être, pour les résistances. Oh, merde. Adieu. Oh, la vache. Oh, la vache. Oh, j'ai tout dodge, les gars. Vas-y, Shaco. Ah, s'il arrive, c'est incroyable. Ah, dommage. Ma team veut FF. Est-ce que ça vaut le coup d'FF là? Ou est-ce que j'essaye de faire un dernier move avec Scarner quand même? Ah, je suis dans la merde là. Ah, ok, nice. Nice. Pff. Bah, ouais, YouTube, je crois que c'est la fin. Ma base est ouverte. J'aurais fait des moves avec Scarner, malheureusement, là. Compliqué de gagner avec ces conditions là. Bon, bah voilà. Eh bien, c'est le GG. Ah ah! Ah merde, je me suis dit peut-être. Et du coup je pense que je vous collerai celle-là avec une game que j'ai fait juste avant où j'avais joué contre un mort de Kaiser. Ouais, c'est moi avec Scarner AP. Et du coup 20 000 dégâts, voilà. Ma deuxième dégâts de la game. Bon, on est contre mort 2, on va jouer Scarner AP. Ça va être sympa, on appuie sur Z, ça tue. Boum. Nice. Bon, ce qui est bien c'est que le poke de Scarner est quand même plutôt cool. Surtout qu'on a deux sorts de loin, donc vraiment chill. Ok, j'ai le Z, c'est bon. Boum. Et voilà, c'est bon, ça commence. Donc le scaling AP sur le Z c'est 80%, hein. C'est pour ça qu'on fait ce build. Et vraiment c'est plutôt sympa. Boum. Hop. Comet. Boum. Nice. Double boum. Hop, tu viens là. Voilà. Oh nice, deux coups de tour. Attendez, bah je le holly, non? On va pas... Hop, faut que je mette le Z. Ah, par contre, je recall pas. C'est mort. Aïe. Comme ça, j'ai un avantage en tempo au moins. Parce que comme j'ai pas de TP que lui en a une, ça peut être galère si jamais je l'autorise à recall. Allez, boum. 97. Ok, déjà, c'est 100 dégâts par Z, ça commence bien. Hop, la comète. Hop, boum. Boum. Oh, ça a pas eu, ça a pas mis dans le mur. Ok, le canon. Hop, le niveau 6. Vas-y, reviens par là. Je devrais pouvoir le tuer en 1v1. Je peux encore tenir sur les stats de base de Scarner, là. Ah, dommage. Le problème, c'est que là, il va peut-être level up. J'ai un E dans 4 secondes. Je vais tenter de le all-in. Ok, nice. Boum. Ok, nice. Boum.
Ok. Commence à mettre des bons dégâts avec le Z. Pas mal. Un autre. Ah, c'est débile en vrai. Dites-vous que Mordeux du coup a un... a de quoi régène sa vie. Imaginez sur un personnage qui peut pas régène sa vie et qui est immobile comme Mordeux. Ils peuvent littéralement rien faire. Il rigole ou pas? Ah, il rigole vraiment. Bah écoutez, je vais laisser sa poche vers moi. Comme ça, je garde un freeze proche de ma tour et après, je vais essayer de le cheese. Ah non, il rigole pas. Ah, ça m'arrange s'il rigole pas. Allez, viens là, s'il te plaît. Hop. Ah, j'ai pas les dégâts. Oh non, mon truc est parti dans le... dans les CS. Ah, je peux peut-être le flashiner et le tuer, attendez. Je tente le dive avec Scarner AP. Ok, big. Ah merde. J'aurais dû m'en douter. Boum. Oh, ok, c'est bon les gars. Scarner AP dive, ça passe. Oh, avec ça que je la vois là. Oh, let's go. Oh. En TZ. Boum. Ok, vous savez quoi, on va le push sous sa tour, et du coup on va juste le poke sous tour. Parce que s'il n'y a pas de wave pour tanker pour lui, il est juste obligé de se prendre des spells en boucle et éventuellement il va devoir y aller. Hop, boum, voilà déjà un tiers de sa vie. Alors là le Mordeux qui rage, play your gate champ next with this nerf. Écoutez, bah en tout cas, écoutez le Mordeux les gars, play the champ next with... jouez-le avant qu'il soit nerf, hein. S'il y a une chose à retenir de ça, jouez-le avant qu'il soit nerf les gars. Hop. Oh, comment ça, c'est pas contre le recall? Quelle arnaque. Bah écoutez, on va y aller aussi, hein, j'ai le lion drill. Bon, j'arrive. Yo, Jin. Ok, nice. Bon, je pense que le Kha'Zix le tue, mais au moins comme ça, je rate une assist. Hop, petit poke. Juste faire gaffe. Ah merde, je pensais qu'il allait venir par là. Et écoute, c'est pas grave, hein. Il est assez low pour pouvoir le redive. Le deuxième dive Scarner AP, les gars. Officiel. En fait, je sais pas si je le tue, là, ça le problème. Essaye de faire des trucs, hein, mais... attendez. Peut-être juste le... Ok, nice. Ok, bon, nous avons pris la tour. Du coup, la bonne nouvelle, c'est que maintenant, je peux perdre ma roam et aller embêter tous les autres ennemis. En vrai, le blanc... go, hein. Ok, il est slow. Il est re-slow. Il ne peut pas fuir, le blanc, vas-y. Je le re-slow. Ok, nice. Bah, écoutez, j'ai push, on va aller re-aider là, le blanc. Le milieu est mort. Il y a Jin. Je vais se faire gaffe, parce que je crois que là, le blanc est low. Ok, attendez, je suis dans le bac du Jin. Qu'est-ce que tu vas faire pour t'en sortir. Après, le problème, c'est que moi, je suis Scarner AP, quoi. Du coup, comme je... oh, merde. Du coup, comme je l'ai dit, j'ai pas vraiment de tankiness. Allez, salut, hein. Let's go. Bon, bah, le bait était bon. Ah, mais quelle fraude, ce truc. T'inquiète. Pose pas de question, mon Liandry est big. Oh, non, ils ont FF. Et voilà, 9000 dégâts, du coup. Merci encore une fois, YouTube. Des bisous. À la prochaine vidéo. Salut, YouTube.